dans le cadre de la création d'une application mettant en scène des objets dans un environnement virtuel, François Audra a imaginé ce concept. Pour cela, il a invité l'équipe de Local à la Une de Mistral TV pour expliquer son fonctionnement. Donc pour vous expliquer un petit peu la genèse de cette innovation, cette application Arneo, après avoir été directeur d'une galerie d'art pendant 6 ans à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme, je suis aujourd'hui agent d'artiste pour un collectif de 12 artistes, peintres et sculpteurs qui sont exposés ici ce soir autour de nous. Et afin d'effacer une contrainte inhérente à mon métier, puisque je ne peux pas présenter les œuvres, les avoir avec moi, donc je les présente sur un site internet, des livres d'art. Mais là, j'ai eu l'idée d'utiliser donc la technologie de la réalité augmentée, créer cette application qui permet donc de présenter les œuvres de mes artistes, mais également n'importe quel objet, cette fois dans ces dimensions réelles, partout où je me trouve. Quand vous voyez tel ou tel objet, vous voyez la légende en dessous qui vous dit que ça fait telle ou telle dimension. Faut-il encore être capable d'imaginer ce que va donner le produit en question chez vous ou où que vous soyez? Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que cette application, elle est géniale parce que c'est un véritable outil de travail. D'ailleurs, j'en parle même comme, entre guillemets, pour moi professionnel, une application d'aide à la vente. Incontournable alors? Ben, je pense que ça pourra vraiment intéresser des domaines, des secteurs professionnels divers et variés. Je dirais presque à partir du moment où on est dans un domaine où on présente des produits dont les dimensions réelles comptent, on peut être intéressé par l'application. C'est-à-dire peut-être même que quelqu'un qui commercialise, des commodes ou alors des armoires de rangement, d'archives, même quelque chose, même si le produit n'est pas séduisant. Ce qui est important pour le client qu'il a en face de lui, c'est lui dire, vous choisissez tel ou tel modèle, ben, voilà ce que ça va donner chez vous. Et bien avec l'application, vous pouvez le faire d'une manière très facile. Et ce qui sera d'ailleurs très excitant et enthousiasmant, c'est de voir dans les prochaines semaines, même si j'ai essayé d'imaginer plusieurs cas de figure, mais c'est de voir comment les utilisateurs vont s'approprier l'application pour s'en servir peut-être pour un besoin particulier, mais ça peut être aussi un besoin ludique. Mais je pense que vraiment professionnellement, ça peut être vraiment un superbe outil de travail. Et là, de se rendre compte qu'elle pourra servir à des secteurs professionnels vraiment très différents des uns des autres. Et ça sera donc très enrichissant d'avoir le retour de ces utilisateurs, là aussi divers et variés. Bonjour messieurs, dames, vous êtes sur Mistral TV. Alors j'ai vu que vous essayez tout à l'heure l'application. Oui, alors marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fonctionne bien, donc je pense que l'application a de l'avenir. Oui. Dans quel cadre vous pourriez l'utiliser par exemple? Je ne sais pas encore, mais bon, effectivement on peut d'ores et déjà visualiser un tableau tiré de la galerie qu'on souhaiterait mettre chez soi, donc c'est déjà une première bonne innovation. Voilà. C'est dans le restaurant, l'atelier Couleurs et Saveurs, à Bourg-lès-Valence, que Pascal et Alain ont invité François Audra afin qu'il expose son projet. Tous les deux nous donnent des indications sur le fonctionnement de ce merveilleux restaurant dont l'originalité porte sur le mélange de saveurs et sur une décoration authentique. Nous avons créé le restaurant il y a 10 ans. C'est un concept qui allie à la fois boutique déco, art de la table, puis expo d'artistes et puis principalement restaurant bien sûr. Déjà, pourquoi vous êtes venu à Bourg-lès-Valence? Est-ce qu'il y avait une raison particulière et pourquoi monter un tel projet finalement? En fait, on a travaillé dans des grandes maisons et on voulait apporter un plus par rapport à ce qu'on avait appris, à ce qu'on avait vécu. On a appris beaucoup de choses au niveau du recevoir, de l'art de la table. Et il nous manquait un petit côté convivial. Et quand on a découvert ce lieu, qui est chargé d'histoire, puisque cette maison date du 18e, on a voulu garder les petits salons bien particuliers et apporter un plus de convivialité. Et associer l'art avec tout ça pour... L'art, parlons-en. Aujourd'hui, vous recevez donc une personne qui a créé un soft pour permettre un petit peu de redimensionner dans un espace, un meuble, une voiture, etc. Cette invitation, finalement, c'est de l'art en fonction de ce que vous proposez, vous, à travers vos mets, peut-être. C'est aussi de l'art. Donc, du coup,
qu'est-ce qui se rejoint dans cette invitation et de ce que vous produisez dans ce restaurant? C'est de pouvoir montrer aux clients que le restaurant, c'était pas que la gastronomie. La gastronomie, c'est une chose, mais ça représente, je veux dire, finalement que 50% du savoir-recevoir. L'art et tout ce qui va à côté est aussi très, très important. Et d'autant plus, on reçoit beaucoup d'artistes, notamment François ce soir. Et pour nous, c'est très, très important. Alors, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement de l'application Arneo. Encore une fois, en téléchargement gratuit. Et ici, c'est le catalogue de démonstrations. On retrouve une sélection des œuvres de mes différents artistes, peintures, sculptures. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'application, au-delà du secteur de l'art, elle peut s'appliquer à vraiment des produits très, très différents. Maintenant, pour vous montrer le fonctionnement, ici dans le catalogue, je choisis l'image par exemple de la Ferrari F80. Vous voyez que mon application, elle passe en mode caméra. Donc, vous voyez que je peux voir les œuvres qui sont autour. Donc je suis en mode caméra. Maintenant, je vais diriger l'application, la caméra. Je vais pointer le marqueur de réalité augmentée. Là, à ce moment-là, l'application, elle a détecté le marqueur. Elle l'a géolocalisée dans l'espace et vous voyez qu'elle fait apparaître la Ferrari F80 dans ses dimensions réelles, sachant qu'elle fait 4,80 m de large. Je peux passer d'un instant à un autre, voilà, à une visualisation. Alors cette fois, c'est vraiment pour rigoler pour ce soir, l'acteur Hugh Jackman en taille réelle, sachant qu'il fait 1,88 m. Voilà. Alors vous voyez que le marqueur est géolocalisé dans l'espace, donc je peux partir, revenir, c'est toujours là. Je passe à un autre produit, là. Pardon pour Penelope Cruz. Maintenant, par exemple, voilà un cache-pot. Si vous avez envie de tester. Alors là, on visualise un salon de jardin. Donc vous voyez qu'avant d'acheter ce type de mobilier, on pourrait peut-être avoir envie de voir le résultat chez soi. Ici, une lampe sur pied, design. Donc vous voyez que chaque objet, là ici un fauteuil. Donc encore une fois, l'objet apparaît dans ses dimensions réelles, à l'emplacement où j'ai placé le marqueur. Ici, j'ai mis un frigo. Alors là aussi, les cames de taille assez importantes puisque je crois qu'il fait à peu près 2 mètres de haut. Voilà. Et je vais passer encore. Alors ici, c'est un poêle de chauffage qui est là, mesure 2,70 m. Donc il faudrait qu'on prenne encore plus de recul pour le voir en entier. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'avec le simple marqueur A4 qui est donc facilement imprimable par tout un chacun, une fois que le marqueur est géolocalisé, que l'image de l'objet apparaît, je peux prendre un recul jusqu'à 12-13 mètres et l'image apparaît toujours en taille réelle et également dans un rapport de perspective. Donc quel que soit l'objet que je regarde, même la voiture, si je recule à 12-13 mètres, elle va entre guillemets réduire en taille mais de manière proportionnelle puisque l'application, elle détecte où vous vous trouvez à chaque instant entre le marqueur et donc l'équipement, ce qui lui permet de faire apparaître en perspective les objets choisis. Ce projet, en fait, il est né aussi de la rencontre avec François Audra, qui est le concepteur de cette application. Et de par notre collaboration et le fait de voir évoluer ce projet ensemble, eh bien, j'ai cru tout de suite dans cette application, j'y ai vu le potentiel énorme de cet outil de travail qui, pour moi, en tant que décoratrice florale, est vraiment c'était un outil que j'attendais pour que effectivement les personnes qu'on démarche, les futurs clients, puissent visualiser réellement en taille réelle les compositions et se rendre compte un petit peu, voilà, de ce que ça représente et de pouvoir imaginer, parce que certaines personnes n'ont pas forcément la capacité de visualiser mentalement les volumes, les dimensions, voilà. Donc j'ai vraiment pris parti dans ce projet et donc apporté mes réflexions parce que, voilà, en tant qu'utilisatrice moi-même de cette application, j'ai vu les différents points et paramètres qui seraient utilisés par des professionnels. Alors ce qui est très rigolo aussi, c'est que je peux facilement faire une photo de la capture. Donc là, je viens de prendre une photo de la Ferrari F80 en réalité augmentée, comme si elle était stationnée ici dans l'exposition. Et si je vous montre le résultat dans mon album de photos, alors je vais retrouver, voilà, ici la photo de la F80.
Et cette photo, on peut facilement, au travers de l'application, décider de la partager sur les réseaux sociaux. Et dans ces cas-là, l'application transmet avec l'image toutes les informations du produit ou de l'objet qui est visualisé. Donc c'est très intéressant parce que ce soit pour une présentation de produits professionnels, mais même dans une utilisation ludique de particuliers, voilà, il y a encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir des utilisations, on va découvrir des utilisations de l'application peut-être très rigolotes aussi. Voilà. François Audra, après avoir dirigé sa propre galerie d'art Arrêt et Déco à Étoile-sur-Rhône de 2006 à 2012 et ayant participé à de grands salons internationaux, deux à Shanghai pendant l'Expo Universelle, puis à Hong Kong en 2011, devient agent pour un collectif de 12 artistes. C'est dans ce cadre que François a souhaité exposer dans une salle annexe au restaurant des œuvres d'artistes. Je suis ébahi par toutes ces œuvres parce que y a quelques artistes qu'on connaît déjà et d'autres qu'on découvre et c'est toujours un vrai plaisir de venir voir toutes ces belles choses. D'accord, parce que vous aimez vraiment l'art, vous êtes un passionné d'art, plus de peinture ou de sculpture? Bon, l'art en général m'intéresse, m'intrigue, je me fais plaisir à regarder, je ne suis pas un connaisseur, mais je passe toujours un bon moment, quand je me régale quoi, quand je vois toutes ces œuvres. D'accord. Et vous accueillez vous-même des artistes et des expositions? Oui, au sein de votre pâtisserie? Nous avons pris l'habitude, oui, d'accueillir assez régulièrement des artistes. Quelques-uns d'ailleurs sont présents ce soir, comme Gaël Duvert, Laurent Buffat bientôt, et puis j'espère Martic un de ces jours aussi. Ce sont des gens qu'on a, à force de les rencontrer, appris à connaître, qu'on a apprécié et qu'on aime bien mettre dans notre boutique, même si ce n'est pas un lieu qui est fait pour y mettre de l'art, mais c'est quelque chose qu'on aime et puis c'est un partage. C'est une belle initiative. Ouais. Clients, voilà. Cette exposition regroupant 12 artistes, Patrice Murciano, Nad Vallée, Fabien Delaube, Jean-Paul Ravi, Amandine et Romain Torrent, Martic, Laurent Buffat, François Lasserre, Alain Marie, Sophie Bérard et Serge Roca constitue un collectif United Guest Artists. Alors, vous avez fait tout ce qui est conception florale sur cette exposition. Bien, on a, par rapport au lieu, déjà visualisé et décidé des emplacements les plus stratégiques et qui permettaient aux décorations florales non seulement d'être en valeur, mais aussi de mettre en valeur les lieux. Donc, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque ce sont des décorations florales qui sont permanentes donc, et j'utilise des fleurs artificielles haut de gamme et des végétaux préservés. Voilà, donc c'est ce qui me permet de faire des structures qui sont un peu plus insolites et qui permettent aussi une originalité et qui sont surtout intemporelles, c'est-à-dire qu'en fait elles sont permanentes. Ce qui est très important à mes yeux, c'est qu'en tant qu'entrepreneur et porteur de projet, bon, c'est un développement particulier et quand même assez coûteux. Et j'ai pu donc financer ce projet, financer ce développement, en tout cas partiellement, puisque j'ai défendu mon projet auprès du réseau Initiative. Donc ils ont eu confiance en moi, dans mon activité, même passée aussi d'entrepreneur, mais surtout sur le côté innovant de l'application, parce qu'on est quand même dans un secteur de la réalité augmentée qui n'est pas forcément encore très connu du grand public. Ils m'ont fait confiance, j'ai pu obtenir donc un financement par leur aide auprès de systèmes bancaires et de financement annexe, donc la moitié à peu près du développement. Et sans cette aide au départ, eh bien je n'aurais certainement pas pu réaliser ce projet dans des délais quand même assez courts, puisque j'ai eu l'idée de cette application il y a 10 mois. Il y a eu un long temps de recherche, trouver là aussi la meilleure agence de développement, et j'ai choisi l'agence Apps Factory à Lyon, très expérimentée et qui donc fait un travail superbe. Mais encore une fois, le réseau Initiative m'a soutenu dans toutes les phases du projet encore aujourd'hui, et d'ailleurs grâce à eux, ils me soutiennent pour demain participer au Trophée des entreprises dans la catégorie innovation, donc tout d'abord sur la région Valence-Romans.
Aujourd'hui, l'application est disponible sur l'App Store, donc ça veut dire que la plateforme des applications Apple. Donc mon application, elle est en téléchargement gratuite, donc il suffit de taper Arneo sur l'App Store, vous la téléchargez gratuitement, elle est compatible pour iPhone, iPad et également iPod. Et bien entendu, je prévois de faire très rapidement porter l'application, donc la rendre compatible sur les systèmes Android. Et pour cela, je vais d'ailleurs peut-être mener une action de ce qu'on appelle le financement participatif, lancer une collecte de fonds sur le plan national et peut-être même au-delà, pour de sorte de pouvoir rendre compatible au niveau même mondial, hein, puisque bientôt une communication sera faite également sur le plan international. Mais en tout cas, j'aimerais que voilà, elle soit accessible à tous les utilisateurs. Et ça, ce sera fait, j'espère, dans des délais peut-être 2 mois, 3 mois, si tout se passe comme je le souhaite. Bon, on a hâte en tous les cas. On a hâte de l'essayer, ce soft. Merci, merci beaucoup. Bon, merci François. Ce projet Arneo, mené d'une main de maître par François Audra, permettra aux détenteurs de smartphones et d'iPhone de repérer rapidement dans l'espace les objets qu'ils souhaitent positionner. Cette idée révolutionnaire démontre à quel point l'innovation prend tout son sens. Des spécialités dans votre restaurant Des spécialités, pas vraiment. En fait, c'est une cuisine tout à fait traditionnelle. De maman, on va dire, voilà, c'est moi qui suis en cuisine et c'est une fabrication maison complète, je fais toutes les entrées, les plats, les desserts et ça reste une cuisine familiale mais sympathique, voilà. Le but c'est que les gens passent un bon moment. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi pour le déjeuner et du jeudi au samedi pour le dîner. Quant à la boutique, salon de thé et les espaces d'exposition sont accessibles du mardi au samedi, de 10h à 16h. L'atelier couleurs et saveurs se trouve 87 avenue Marc Hurtin, 26500 Bourg-lès-Valence. La Drôme et l'Ardèche détient des créateurs innovants vers de nouveaux et très beaux projets.